c'est solidaire d'abord. Et aujourd'hui, on a un carnet rempli, mais rempli à fond. Hein. On va parler d'une part de ce qui s'amorce sur la réforme des retraites. Pourquoi, comment, d'où ça vient les retraites, comment c'était au départ, tout ça. On va parler aussi du repas du Seigneur des Panneaux. Hein. Alain, oui, c'est ton pote. Hein, oui, il n'y a pas de problème, on va en parler. Voilà. On va parler de, bah, des grèves, évidemment. À Total, tout ça, Total Énergie. On va parler des armes qu'on, voilà, des armes que on va donner à l'Ukraine ou à d'autres, au Yémen ou ailleurs. Voilà, je ne sais pas si on les donne. Voilà, on les donne peut-être pas à tous les endroits, mais il y a des endroits où on les donne. On va même former les soldats ukrainiens. Enfin bon. Alors, on commence avec le dossier retraite, Alain, parce que tu devais nous faire ça aujourd'hui. Eh oui, oui, j'avais ce travail à faire. Alors j'ai sur l'ordinateur, là, un magnifique dessin. C'est à la sortie d'un hôtel. Là, il y a une dame très âgée qui sort, qui ressemble fortement à une péripatéticienne. Elle a quand même une canne, mais bon, elle a un beau sac. Elle est maquillée, un décolleté profond. Et il y a un gars, je crois que c'est Raffarin. En tous les cas, ça ressemble fortement à Raffarin. C'est un dessin de Grémy. Donc ce monsieur, Raffarin, dit 84 ans, mais toujours au boulot. Voilà un exemple pour les jeunes. Voilà. Alors, est-ce que c'est un exemple de droite? Je ne sais pas. Parce que quand même, le Total, péripatéticienne encore au boulot, et c'est bien. pas forcément un truc amené par les réformes sociales, hein, on va dire. Alors on va essayer d'attaquer ce dossier en parlant un petit peu de la retraite. Et de la retraite. L'histoire. Alors, nous vous proposons donc de découvrir ou de redécouvrir ce dossier sur l'histoire de la retraite. Alors en France, le système de retraite est récent, puisqu'il a été adopté pour tous les travailleurs après la Seconde Guerre mondiale. Mais il trouve ses racines bien plus loin dans l'histoire. Le roi Louis XIV versait déjà, oula, j'ai l'ordinateur qui a avancé trop vite. C'était pour la marine royale. Attendez, ce dont tu parles. On va essayer de retrouver la page. Oui, c'était pour la marine royale en 1673. Oui, sous Colbert. C'est très bien de m'aider. Alors, en France, donc, le système de retraite est récent puisqu'il a été adopté pour tous les travailleurs après la Seconde Guerre mondiale, mais il trouve ses racines bien plus loin. Je vais m'en voir beaucoup, je crois, avec l'ordinateur. J'aurais mieux fait d'imprimer parce que j'arrive pas à lire. Non, mais c'est ce qu'on t'a dit, hein. Bon, Colbert, tout ça. D'accord. Alors pourquoi j'arrive pas à l'ordinateur qui ne peut pas fonctionner? Il y a beaucoup de choses qui sont passées après la guerre de 45. Hein. Oui. La bourgeoisie avait tellement collaboré, on va dire, voilà, avec les nazis qu'à la libération, ils ont été obligés de lâcher du lest et du social parce que vraiment. Ils avaient vraiment mangé dans la main des nazis. Et c'est seulement pour ça, parce qu'ils ont été très affaiblis, qu'il y a eu cette fenêtre qui a pu s'ouvrir. Parce que s'ils avaient été... ils ont quand même collaboré. Si tu te rends compte, s'ils avaient été dans la même puissance, on va dire, publique qu'ils avaient avant, on n'aurait jamais pu avoir cette fenêtre-là. Quoi. Oui. Alors, quelles sont les grandes étapes qui ont mené à l'adoption d'un tel système? Oui. Retour sur la création des pensions de retraite en France et sur l'évolution ces dernières décennies. Oui. Alors en France, le premier régime de retraite est militaire. Hein. Oui. Voilà, c'est bien ce qu'on vient de dire. Hein. Il est initié par Jean-Baptiste Colbert, alors contrôleur général des finances de Louis XIV. Il met en place la Caisse des Invalides de la Marine en 1673. Oh, j'ai pas dit de bêtises. Non, tu n'as pas dit de bêtises. Elle assure le paiement d'une pension d'invalidité, ainsi qu'une pension de vieillesse aux marins qui atteignent l'âge de 60 ans. Mais alors ça, c'était quand même très très spécifique. C'était pas une retraite pour tout le monde. Quoi. C'était c'était une première exploration. Voilà, première exploration. En 1831, la loi instaure un régime de retraite qui s'étend à tous les militaires. Puis, à partir de 1853, les fonctionnaires civils d'État sont à leur tour concernés. La loi du 9 juin 1853 édicte un droit à pension acquis à 60 ans après 30 années de service. Cette disposition concerne 158 227 fonctionnaires à cette période. Il faut d'ailleurs relever que cette loi de 1853 pose les règles qui fondent encore aujourd'hui les régimes de retraite des fonctionnaires.
Elle prévoit par exemple que la pension soit attribuée en fonction de l'âge et de l'ancienneté calculée sur la base du traitement moyen des 6 dernières années. Et déjà, les annuités comptent. Hein. Ils sont déjà en train de compter. Je crois qu'on pouvait avoir la retraite à 30 ans, après 30 ans de service. 30 ans de service, oui. Ah. Oui, oui. Alors, il y avait, je ne sais pas, je connaissais l'institutrice, il fallait 30 ans, je crois, ouais. Et puis 3 enfants, je ne sais pas. Ah, oui, oui, ou 15 ans et 3 enfants. Ça rentre en ligne de compte. L'essor de l'industrialisation est aussi celui des régimes privés qui apparaissent pour protéger la retraite des ouvriers et employés dans certains secteurs. Les mines, les chemins de fer ou encore la sidérurgie adoptent des systèmes similaires. Mais pour la majorité des travailleurs qui ne dépendent pas de ces secteurs, il faut encore attendre. En 1910, une première loi prévoit une pension de retraite pour les ouvriers et paysans. C'est en 1930 le régime d'assurance vieillesse obligatoire qui est adopté pour les salariés modestes. C'est la loi du 30 avril 1930. La fin de la Seconde Guerre mondiale redonne un coup d'élan aux questions sociales en France. C'est dans ce contexte qu'est créée la sécurité sociale, les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. C'est aussi la création de l'assurance vieillesse, une véritable refonte générale des régimes de retraite, comme d'autres régimes spécifiques, celui de la SNCF par exemple. Les régimes de retraite... Je voulais te dire, Ambroise Croizat, qui est donc un acteur majeur dans cette histoire, qui était un mec du PC, disait « c'est une autre étape pour la vie, et c'est la vieillesse n'est plus l'antichambre de la mort ». C'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est vrai. Et d'ailleurs, Ambroise Croizat, on le nomme rarement. On ne parle pas souvent, alors que c'est un monsieur important. Important. Les régimes de retraite des fonctionnaires doivent initialement disparaître au moment de cette réforme. Mais les régimes de retraite des fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières deviennent finalement des régimes spéciaux. Depuis 1945, le régime a connu certaines évolutions, notamment... motivé par le déséquilibre financier lié à la démographie. Le système français fonctionne par répartition, c'est-à-dire que les cotisations des actifs financent les retraites. Mais attention, donc c'est un système, les retraites, un truc où les gens cotisent par répartition, donc ça n'a rien à voir avec un impôt. Ah, c'est absolument pas un impôt, c'est une cotisation. Si tu en parles, tu me vois venir, c'est que tout doucement, c'est en train de devenir comme un impôt. Tout à fait. Maintenant, là, les gens, disons, cotisent. Il y a deux systèmes aujourd'hui. Hein, enfin, il y a par répartition, oui. Où les gens cotisent. Et puis, lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite, ils perçoivent leur retraite, leur élu, puisqu'ils ont cotisé. Hein. Ouais. Et puis, il y a le système par capitalisation, qui est un système bien différent, hein, puisque les gens font une épargne. Hein. Donc, c'est les fonds de pension. C'est les fonds de pension. Ça n'a absolument rien à voir. Oui, c'est pas dans tous les pays qu'il y a cela, comme en France. La France elle-même n'est pas majoritaire dans son fonctionnement dans le monde. Tout à fait. Il y a des pays qui n'ont pas du tout de retraite. Hein, il y a des pays qui ne connaissent pas la retraite. Alors il y a des pays où il n'y a pas de retraite et il y a des pays où c'est, disons, par capitalisation. Oui, aux États-Unis c'est par capitalisation. BlackRock, c'est voilà. Alors, des fonds de pension. On avance sur le truc. Alors là, tu ne nous as pas encore parlé du fait que le régime serait à l'équilibre ou pas à l'équilibre, pour qu'on le réforme, etc. Alors là, je peux, disons, j'étais encore dans la partie histoire. Non, mais on peut, disons, avancer. Hein. Donc, tandis que dans le même temps, la durée de vie augmentait jusque-là, hein, elle diminue aujourd'hui, et le nombre de retraités augmente. Hein, c'est la loi, disons, c'est l'effet baby-boom. Hein, il y a eu le baby-boom dans les années 1950. Aujourd'hui, c'est les gens de 1950, c'est-à-dire nous, hein, on se retrouve à la retraite. Hein. Et il y a, disons, parallèlement, un taux de natalité qui a plutôt tendance à diminuer. Un peu à baisser. Mais on n'est pas tous égaux devant la retraite, hein, parce que la majorité, les classes populaires, suivant leur travail, suivant leur milieu, suivant où ils habitent, il y en a qui ne profitent pas tellement du tout de la retraite. Il ne faut pas croire que quand on parle d'âge moyen, que ça dépend les situations des gens. Hein. Alors tu as raison, Denis, on n'est pas tous égaux à ce niveau. Et d'ailleurs, on remarque, même alors là, pratiquement pour l'ensemble, jusque-là, on avait une espérance de vie
qui avait tendance à augmenter, hein, et depuis 2020, elle a plutôt tendance à stagner, voire à diminuer. Et puis ce n'est pas un c'est le premier effet Macron. Pardon. Sans parler, deuxième effet alors, qui se coule, on va voir. Sans parler de la pénibilité au travail, puisque les gens qui pâtissent beaucoup au travail vivent moins, profitent moins de leur retraite. Jusqu'à 7 ans de moins, quand même. Jusqu'à 7 ans de moins. C'est énorme. Alors, dans les baisses globales de l'espérance de vie, en 2014, les femmes vivaient jusqu'à 85,4 ans. Hein. En 2015, 85,1. Donc, pour la première fois, on a remarqué une baisse de l'espérance de vie. Et pour les hommes, 79,3 en 2014 et 79 ans en 2015. Oui, ouais, ça baisse. Après c'est les femmes, maintenant, c'est pas pour critiquer, mais elles vivent plus, disons, intensément, plus comme les hommes. Les femmes, maintenant, elles sortent, elles boivent, elles fument. Donc, évidemment, l'espérance de vie, il suit derrière. Hein. Faut pas... L'espérance de vie des femmes était plus longue parce que voilà, elles menaient une vie peut-être plus saine que les hommes, moins physique et plus saine. Maintenant, avec le. Moins physique, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Hein. Mais bon, parce que elles font le travail ménager tous les jours. Oui, mais c'est. Alors qu'il y a des mecs, ils montent dans leur bagnole, ils posent le cul sur leur chaise et puis ils rentrent le soir et ils attendent que Bobonne les serve, tu vois. Donc je ne suis pas sûr que le travail physique, tu vois. Oui, mais bon, ça se discute. Ouais, ça se discute. Voilà, ça se discute. Là, tu parles en temps de travail. Tu parles pas en pénibilité. Ouais. Moi, je crois que l'espérance de vie aussi diminue parce que, il faut le dire, on mange un peu de la merde. Hein. Moins sain. Hein. Moins sain. On mange de la merde. Et voilà, on mange moins sain. Alors, il faut qu'on avance sur le fonctionnement. Et puis on respire. Il est déjà 12. Hein. On respire, disons, un air de moins en moins pur. Ouais. Voilà. Alors, il y a eu des réformes successives dans ces retraites. Oui. On n'en sort pas des réformes. Ben non. Alors, en 1945, ça a été la création de l'assurance vieillesse, c'est la naissance du régime par répartition, avec des cotisations obligatoires pour tes deux salariés, et avec un âge légal de départ en retraite à 65 ans. La pénibilité est prise en compte, un départ à 60 ans est possible pour les salariés qui ont effectué 20 ans de travaux pénibles, avec une pension minorée. 1971, c'est la réforme Boulin. Alors la réforme Boulin, elle, les règles de calcul changent. Les actifs du régime général qui prennent leur retraite à taux plein perçoivent 50% du revenu de leurs 10 meilleures années, au lieu de 40% sur les 10 dernières. Mais la durée, mais la durée d'assurance requise passe de 37,5 années, 65 trimestres, au lieu de 30 années. Oui. En 1982, c'est l'ordonnance Auroux. Sous la présidence Mitterrand, l'âge de départ en retraite baisse. Hein, oui, à 60 ans. On passe à 60 ans. Il y avait même une possibilité de prendre une pré-retraite à 55. Parce que moi, mon beau-père, il a pris sa retraite à 55 ans. Le mec, il était là. Mais alors, je te le dis pas, quand le truc est passé, il ne croyait pas au texte. Et il prend sa retraite à 55 ans. Et il y avait des secteurs très, très protégés. Moi, ouais. Je connaissais un secteur où les dames pouvaient partir à 50 ans. Et les hommes à 55. Ouais. Voilà. Ah ben, oui, les instituts, ils ont toujours pu partir un petit peu plus tôt, aussi, plus tôt pendant longtemps, plus maintenant. Hein, c'est fini. 1993, la réforme Balladur. Vous vous souvenez de Balladur, le triple menton, la tronche de marquis, là, hein, vous voyez qui je parlais. Ah, ouais, hein, voilà. La loi du 22 juillet 1993 prévoit pour le régime général un allongement de la durée de cotisation. Elle passe à 40 années, 160 trimestres, contre 37,5 précédemment. Et le salaire moyen de référence pris en compte et le calcul sur les 25 meilleures années. Merci, monsieur le marquis. 1999, création du fonds de réserve de retraite, le FRR. Ce fonds a pour objectif de parer un choc financier lié au vieillissement de la population. 2003, la loi Fillon, vous savez, le maniaque des costards et des chemises. Hein, la réforme instaure un allongement de la durée de cotisation pour les salariés du public, avec une mise en place à partir de 2009. Et l'alignement de la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle du privé. L'âge de départ à la retraite est maintenu à 60 ans, avec un système de décote et de surcote. C'est aussi l'arrivée du plan d'épargne retraite, le PERP, et du plan d'épargne pour la retraite collective, le PERCO.
deux dispositifs d'épargne retraite. Alors tout ça, c'était pour essayer d'équilibrer les comptes dans la durée. Hein, parce qu'ils étaient en train de commencer à dire que ça risquait de devenir déficitaire à un moment. Alors c'est à la fois pour ça, mais c'est aussi, on sent quand même un capitalisme qui pénètre, disons, sur nos terres politiques, hein, où on veut nous faire passer d'un système par répartition à un système de capitalisation. C'est quand même cette volonté également. En 2010, la réforme Voirt, l'âge de départ à la retraite est fixé à 62 ans contre 60 ans auparavant. À partir de 2011, la durée de cotisation est portée à 41 ans et demi. 2014, la réforme Touraine. Alors la réforme prévoit l'allongement de la durée d'assurance nécessaire pour une pension de retraite à taux plein à 172 trimestres. C'était pas des gens qui théoriquement étaient de gauche, non? Non, mais j'ai mal compris. C'est la gauche caviar. Ouais, j'ai mal compris. C'est la deuxième droite. Ouais. Paf, tu dois prendre. Tu t'envoies une deuxième. Donc, soit 43 ans. 172 trimestres, soit 43 ans. Pour les générations, à partir de 1973, l'autre mesure de la réforme est la prise en compte de la pénibilité. Et 2022, le projet de la réforme retraite Macron. Alors, soyez bien assis, hein, j'espère, hein, chers auditeurs, hein, puisqu'en 2019, Emmanuel Macron disait « Quand on est un peu qualifié, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. » C'est ça la réalité de notre pays. Et on va expliquer aux gens « Travaillez jusqu'à 64 ans, mes bons amis, travaillez plus longtemps. » Ce serait hypocrite, et j'invite les gens que j'entends dire de manière simpliste « C'est ça la solution. » de regarder d'abord la société. C'était Macron qui disait ça. Donc on peut évoluer. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, il veut réformer. Ouais. Alors la retraite, c'est un peu compliqué. On va peut-être arrêter ce sujet parce qu'on avait plein d'autres choses à dire. Bon, on bien, a non. dit qu'on continuerait la prochaine fois. Voilà. Et la prochaine fois, donc, on fera peut-être un bilan de l'émission qu'on a fait sur le chômage et de cette émission que tu viens de faire sur la retraite, pour pouvoir un petit peu montrer aussi quelles sont les perspectives de l'impôt, la façon dont l'impôt est aménagé petit à petit avec la présence du gouvernement qui se met de plus en plus à gérer ces caisses qui théoriquement n'étaient que des caisses d'assurance. Maintenant, c'est des caisses d'impôt. Tout à fait. Tout à fait. Disons, il essaye de régulariser des comptes puisqu'il a fait des cadeaux aux plus riches. Il faut régulariser. Hein, alors, on va parler un tout petit peu du repas du Seigneur des Panneaux. Ah, on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on fasse vite. Hein. Alors, combien déjà 100 000 euros hein. Alors, 100 000 euros. C'est 100 000 euros. Pour 90 convives. 91 convives. Voilà. Ça fait 1100 euros par personne. 1100 euros par personne. Ouais. Et la région communique en disant que ça n'a coûté que 156 euros par personne au niveau du repas. Donc, quid du reste du pognon, enfin, il y en a qui s'en sont mis plein les poches. La location de la salle est très chère. Voilà, ouais, sans doute. Et les serveurs. Et les serveurs, enfin bon. Ouais. Bon, en tous les cas... Tout ça, évidemment, c'est pas payé par Wauquiez, hein. C'est payé par nous. Hein. C'est payé par la région, donc par nous. Bah, oui, voilà. Peut-être on ponctionnera sur la caisse retraite ou caisse chômage, peut-être à terme. Wauquiez, lui, fonctionne sur les associations et les parcs naturels. Ouais. C'est, voilà, lui, il a trouvé les financements, déjà. Donc le parc Natura 2000, tu sais que Wauquiez, il a complètement sucré beaucoup d'associations, financements, etc. Et tu parlais des routes aussi, toi. Oui. Il veut financer une 4 voies là-haut vers le puits pour faire une 4 voies sur le national. Donc sur la région, on n'a rien à faire sur le national, normalement. C'est le national, c'est l'État, c'est pas la région. Il veut faire une 4 voies, alors c'est 130, voilà, c'est 130 hectares de terre préemptée, donc 80 de terres agricoles. Donc, bon, c'est des éleveurs, hein, parce que là-haut, c'est des vaches, voilà, c'est des élevages. Mais ça fait rien, c'est quand même 80 hectares de terres agricoles. Donc, artificialisation des terres à plein pot, il faudra voir ce qu'on veut. Puis en plus, qu'est-ce que va faire la région sur une route nationale? Si c'est pour faire travailler aux travaux publics, et puis annoncer la couleur, mais pas intervenir sur une route nationale. Il y a d'autres moyens d'investir. S'il y a des sous, si ça le démange, on lui trouvera des idées, il n'y a pas de souci. Hein.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps parce que voilà, il faut qu'on avance. On voulait parler un tout petit peu des grèves actuellement, Total Energy, tout ça. Voilà, la façon dont le gouvernement communique, évidemment, comme d'habitude, c'est les grévistes qui sont des affreux jugeaux, hein, qui prennent les gens en otage, etc. Bon, dire un tout petit peu les choses autrement, comment le gouvernement qui, peu à peu, laisse Total Energy se retrouver à assurer un service public, parce que c'est ça, finalement, hein, si on veut avoir de l'essence à la pompe, on est bien obligé d'en passer par là, donc ça devient un service public, ça devient un service... Oui. De l'intérêt général, en tout cas. Et ils n'ont pas le monopole, enfin, ils tiennent voilà. Beaucoup du marché en France. Hein. Voilà. Et le Macron refuse de s'en mêler, donc il ne veut pas que lui intervienne pour augmenter les salaires. Et donc là, on est quand même dans un jeu pas simple, parce que cette histoire de privé-public qu'on nous a servi avec Sarkozy déjà avant, etc., on marche tout le temps sur des œufs. Il ne faut pas, etc., la concurrence libre et non faussée, etc. Enfin, bon, ouais. Et puis la PDG qui annonce des prix, des salaires de 5000 euros, c'est complètement faux, ça a été prouvé. Tu as mis les salaires, toi, là. Alors oui, Patrick Pouyanet, le PDG de Total. Alors j'ai quelques chiffres, hein, c'est-à-dire M. Pouyanet, lui, s'est augmenté récemment, quoi, enfin l'année dernière, de 52%. 52% sur un salaire très conséquent. Là, oui, c'est-à-dire que c'était pas zéro, c'est pas 52% de voilà, zéro. C'est pas tout, signé, à l'heure actuelle, il touche plus de 5 millions d'euros par an. Voilà. Total, c'est en 2022, c'est 10 milliards de profits en 6 mois. 10 milliards de profits en 6 mois. Et les montants qui ont été versés, il y a un versement exceptionnel qui vient d'être fait. Vous avez versé 2 milliards 600 millions qui ont été versés en dividendes aux actionnaires. 2 milliards 600 millions. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est les sous qui vont aux actionnaires, c'est nous qui les payons à la pompe. Hein. Faut parler des choses comme il faut. Hein. Et voilà. Parallèlement à ça, 25% de Français qui ne mangent pas leur faim. Voilà, c'est ça. Et les gilets jaunes sont sortis dans la rue parce qu'ils trouvaient que le prix de l'essence était trop cher. Hein. N'oublions pas encore. 1,45€. Voilà. Et là, maintenant, on est à 2 euros. Et donc, je vous appelle à faire le tout petit calcul quand même. 2 euros, 60% de taxes de l'État. Donc, ça veut dire que sur chaque litre qu'on met dans sa voiture, il y a 1,20€ qui vient à l'État. Quand le prix était à 1,50€, quand on fait le compte, à 60%, ça faisait 90 centimes. Donc, entre 1,50€ et 2 euros, la part de l'État est passée de 90 centimes à 1,20€. Donc, les 30 centimes qu'ils nous remettent à la pompe. Ils ne sont pas en train de nous faire un cadeau. Mais c'est du provisoire. Hein. C'est du provisoire. Là, ils sont en train d'essayer d'éteindre l'incendie social qui arrive. Donc, ils continuent les 30 centimes jusqu'au 15 novembre. Puis après le 15 novembre, on va couper la part en deux, ça fait 15 centimes. Ils espèrent qu'une chose. Et puis ici, si la pression sociale est encore importante, eh ben, on continuera un petit peu. Mais il ne faut pas se faire d'illusion. Hein. Un coup ou l'autre, les subventions, les aides arrêteront. Hein. Alors il va y avoir bientôt l'énoncé de ton quiz, Denis. Oui. Mais tu as quelques secondes encore pour parler des armes. Parce que c'est un sujet qui te... Voilà, avec la guerre à l'Ukraine et les armes, ben oui, ça marche plus pour. Là. Tous les pays vont donner des armes à l'Ukraine pour se faire bien voir, un, et puis deux, pour faire de l'expérimentation en réel. Et puis ça fait vendre des armes. C'est quand les armes sont performantes, les marchands d'armes se frottent les mains parce qu'ils vont avoir des commandes. Hein. C'est que ce soit Thalès ou Dassault, voilà. Alors Thalès, Alain, tu en parlais en disant que les actions avaient flambé. Ben, dès que la guerre, je crois que la guerre a commencé en mars, non, il me semble. Hein. On a vu l'action flambée, enfin de passer de 80 à 120 euros en quelques jours. Ah ouais. Donc, si ramener sur, en performance annuelle, ça fait 200%. Quoi. C'est énorme. De toute façon, la guerre enrichit les riches. Hein, il n'y aura plus de guerre le jour où les guerres appauvriront les riches. C'est pas le cas, là, pour l'instant. Voilà, là, pour l'instant, c'est pas le cas. Rêver, oui. Là, on peut rêver, oui. Bon, alors c'est le moment de ton quiz. Alors attention, le quiz de cette semaine. Alors, attention, c'est parti. Je peux recevoir plusieurs milliers de personnes. J'ai inspiré plusieurs films de divertissement, mais aussi des films dramatiques. Je suis le bienvenu presque partout. Je suis l'un des 323 des plus gigantesques dans le monde. Nous portons des noms qui peuvent faire rêver.
Je rejette chaque jour, lorsque je suis au personnel, 773 tonnes d'eau grise. Qui suis-je ? Voilà. Très bien. Je ne sais pas où. Mais c'est pas un jet privé. Nous avons une semaine pour réfléchir. Voilà. Et 15 jours. Et dans 15 jours, tu nous feras un développement de voilà. toutes les conséquences qu'a voilà. ce truc. Alors, à bientôt. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bon courage.